Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma peau. Lundi de Pâques. Envie de rien foutre. Donc glandage extrême au lit depuis... ça va faire bien 1 heure maintenant. Bon, on a pas mal de petits trucs à faire. On a dit qu'on irait courir avec mon chéri, donc il ne travaille pas non plus aujourd'hui. C'est le chat qu'on entend derrière, qui a envie de sortir. On a un canapé, enfin on a reçu notre nouveau canapé, donc il faut qu'on le monte. Et puis on doit s'occuper de nos faire-part, il faut absolument qu'ils partent demain par la poste, donc voilà, écrire les adresses, les timbres, les machins. Et j'ai oublié quelque chose. Bah non, je crois que c'est à peu près tout pour le programme du jour. Il fait super beau, si vous voyez le ciel bleu là-haut. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais faire en sorte de... que quelqu'un vienne m'élitreuiller pour sortir de ce lit, sinon ça ne va pas avancer. Voilà, donc je vous retrouve, il est 11h52, donc bientôt midi, hein, avec tout le temps qu'on a passé à traîner ce matin. Donc le repas est en train de cuire. Ici, c'est des petits manchons de poulet. Et puis pour le reste du repas, ça sera donc des petits pois. Et ici, c'est quelque chose que j'adore, c'est du riz, mélange de riz. Alors il y a du riz rouge, du riz sauvage et puis du riz classique, je crois bien. Donc l'eau est en train de bouillir. Donc voilà, ça sera prêt d'ici 20 minutes à peu près. Ça sera le déjeuner du jour. Étant donné qu'on est le lundi de Pâques, on est absolument surchargé de chocolat. Donc Quentin m'a offert cette magnifique poulette en chocolat. Et une de mes collègues m'a très gentiment acheté un demi-mètre de Kinder parce qu'il savait que ça me faisait absolument rêver. Donc voilà, c'est pas un Kinder de la taille d'un demi-mètre, hein. En fait c'est que des boîtes empilées et donc vous retrouvez les petits Kinder classiques, mais ça me met en joie. Tada! Donc voilà, c'est prêt. Et Quentin va bien évidemment rajouter un petit peu de sauce piquante puisque c'est sa passion première. Donc voilà, il est l'heure d'aller courir. Je vous montre ma tenue. Ça, c'est un legging de chez. De chez Decathlon. Je crois pas que ça fasse partie de la gamme running, mais bon, ça change pas grand chose. Chaussettes Decathlon. Soutien-gorge de sport, c'est un de chez Oysho. À l'origine, il était aussi vif que ce pull, mais je crois qu'à force de le laver, il perd un peu de sa couleur. Moi, c'est vraiment mes favoris. Je trouve que c'est ceux qui ont le plus de soutien. J'aime vraiment bien la forme. Le petit brassard, je crois qu'il vient de chez Decathlon pour mettre l'iPhone. Et le top vient aussi de chez Oysho. J'aime beaucoup leur gamme de vêtements de sport, que je trouve en plus très jolie, en plus d'être super, super confortable. Donc ça, c'est un t-shirt, comment, une sorte de t-shirt pull un peu technique avec des petites ouvertures ici pour les pouces, une capuche, et puis c'est respirant ici sur tout le côté. Donc voilà, je vais aller mettre tout ça. Bon, finalement, changement d'avis pour la tenue parce qu'il fait genre 7 degrés dehors. Donc j'ai mis un haut Kalenji, qui est un peu plus chaud, puis du coup j'ai pu mettre un t-shirt en dessous, et finalement j'ai pas besoin de ça puisque j'ai une poche qui se balade par ici, donc je peux mettre mon téléphone dedans. Donc voilà, et bah par contre pour le bar il y en a changé, il me manque juste les baskets. Donc voilà les chaussures, parfois vous me demandez sur Instagram quel modèle c'est et je ne m'en souviens jamais, donc je vous le dis une bonne fois pour toutes, les Nike Free 4.0 Flyknit. Flyknit puisqu'elles sont un petit peu, on dirait que c'est un truc un peu tressé, voilà, moi je suis une grande fan de Nike. Non pas parce que je les trouve belles, enfin si en plus je les trouve belles, mais c'est la seule marque de chaussures qui me convient côté confort, amorti, soutien, enfin. Par exemple Asics, c'est des chaussures qui me conviennent vraiment pas du tout alors que mon copain ne porte que des Asics. Moi elles me font mal à la cheville, mal ici à l'arrière du talon, et les Nike c'est vraiment mes préférées. Donc voilà les baskets du jour. Voilà, on est de retour. Je suis un peu naze. J'ai vraiment tout donné. On a fait 4 km 600, 5 km 500. Et j'ai eu chaud. J'étais un peu faiblarde. Pourtant, j'ai l'impression que j'avais bien mangé, mais bref. Et le vent de face, voilà, qui te casse bien le moral parce que tous les efforts que tu donnes, t'as l'impression que tu fais du sur place. Enfin, voilà, pas la grande pêche au retour, mais en tout cas niveau enfin, temps performance, je suis plutôt contente de moi. Donc là c'est l'heure de la douche, donc je vais vous laisser et on se dit à tout à l'heure. Je crois que j'ai vraiment besoin d'un peu de sucre, alors je me fais une petite pause avec
un grand verre de grenadine, histoire d'avoir un petit peu de sucre. Et ça, c'est des barres que mon copain achète pour ses trails, etc. Bon, à mon avis, il y a genre 8000 calories dedans. Je ne sais même pas si c'est écrit, mais ça doit être absolument hallucinant. Il y a donc 254 calories par barre. Et je ne les ai jamais goûtées. Lui me dit que c'est absolument délicieux. Donc voilà, je vais tester ça tout de suite. On attaque le montage de la bait. Ben le voilà. Tous les coussins que vous apercevez ici, ils viennent de chez Maison du Monde et ils sont de la collection actuelle, donc vous pouvez les retrouver sans aucun problème. Et puis ça niveau couleur, c'est pas une réussite, mais on l'a depuis très longtemps et c'est vraiment quelque chose qui est pratique. Ça vient de chez Ikea, je sais pas du tout si ça se retrouve encore. Donc c'est un rangement pour les télécommandes et puis en dessous vous avez une sorte de rouleau, vous pouvez mettre votre programme télé ou plein d'autres trucs. Et donc voilà, on est super contents parce qu'il est beaucoup plus joli que l'ancien, qui est ici du coup, avec le chat dessus. Qui est un canapé en cuir de chez Ikea mais qui est à mes parents, donc il va repartir chez eux, qu'on a depuis très très longtemps, qui nous avait très gentiment prêté. Donc voilà le nouveau canapé. Bon, je suis en plein travail sur les faire-part. J'ai pas mal de boulot parce qu'en fait je dois relier avec un petit lien en tissu l'invitation, vin d'honneur, repas et le carton d'invitation qui est en dessous, avec de la ficelle comme ça que j'ai pré-découpé histoire de gagner un peu de temps. Là, je suis en pleine rédaction des adresses, qui à mon avis est le truc le plus long à faire. Et puis après, je pense que je vais essayer de mettre mon copain à la tâche, hein, pour qu'il puisse un peu m'aider, parce que sinon je crois que j'y suis pour la nuit. Donc voilà, ça avance tranquillement. Ah, j'ai enfin fini. Donc mon chéri est venu me donner de l'aide, ce qui est très chouette parce que j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Je me souvenais très bien du premier envoi de faire part Save the Date qui m'avait paru tout à fait simple. Et en fait c'est vrai que glisser un carton dans une enveloppe et en glisser trois, dont un qui est attaché avec un deuxième par un lien, c'est forcément beaucoup plus long. Donc on y a même passé tous les deux, je crois, un peu plus d'une heure, le temps d'écrire toutes les adresses, etc. Donc voilà, une bonne chose de faite. Maintenant il me reste plus qu'à mettre ma salive sur absolument toutes les enveloppes pour les fermer, hein, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis des enveloppes avec un autocollant derrière? Ça m'aurait vraiment davantage arrangé, mais c'est comme ça. Et voilà pour la journée, je crois qu'on va rien faire de plus aujourd'hui. Donc je vais terminer le vlog ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Il y a un petit chat qui va se taper l'incruste. Donc voilà, les choses. Vous êtes nombreuses à me demander parfois sur Instagram. Vous êtes nombreuses parfois à me demander. Bien, français. Dur.